Le graffiti, ça a toujours été de l'art pour moi, j'ai jamais douté de ça. C'est juste que malheureusement, c'est une forme d'art qui est assez peu connue du public général, donc ils voient souvent juste le mauvais côté. La commission jeunesse de Gatineau avec le service de police se sont assis ensemble pour essayer de trouver une solution au vandalisme par tag. Par la suite, on a lancé un projet pilote où on a installé des murs de graffiti un peu partout dans la ville. Comme ça, les jeunes pouvaient aller vraiment s'exprimer et créer des œuvres d'art de façon légale. Autant les artistes peuvent venir pratiquer, montrer leur art que les jeunes peuvent essayer ou juste expérimenter les graffitis en pratiquant sur les murs de graffitis autorisés. S'il n'y avait pas de projet mis en place par la ville, il y aurait beaucoup plus de graffitis illégal. Les gens, ils s'organiseraient autrement, ils verraient un mur puis ils iraient faire leur truc dessus. Tandis que là, avec les projets de la ville, bien, c'est vraiment des projets faits pour montrer le côté artistique de la forme d'art.